Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Noz. Donc voilà, je suis allée à Noz. J'y suis allée ce matin, donc là on est le soir, donc désolé côté luminosité, c'est pourri. Bon, en même temps j'ai essayé de le faire dans la journée, ben, le temps était gris et pourri, donc ça aurait été la même luminosité, hein, je vous avoue. Donc il y a des articles qui ne sont pas scrap et il y en a d'autres qui sont scrap. Donc vous voyez la taille du ticket, je me suis fait un petit plaisir, hein. Je dis petit, mais bon. Donc bah, on va commencer par ce joli petit cœur en liège, voilà. Donc en fait c'est juste une texture liège et il est rempli de mousse, donc il y a des petits fils qui dépassent, donc parce que voilà. À la base, il est à 1,99€, donc ça doit être une déco de Noël. Je l'ai eu à moins 75%. Voilà, hop. Donc ça me l'a fait à 50 centimes. Hop, on va commencer par ce qu'on voit directement. Donc j'ai pris deux rouleaux de papier cadeau, un effet licorne. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et un avec plein d'animaux. Donc tous les deux, ils étaient à 99 centimes. On a 5 mètres de papier cadeau sur 70 cm de long. Hop. Voilà. Hop. On n'a jamais trop de papier cadeau, hein, parce que entre deux qui aiment les licornes, enfin les animaux, ça va. C'est voilà, c'est un peu un passe-partout pour les enfants, ça. Encore autre chose qui n'est pas scrap. Hop, j'ai pris ceci. Donc là, ouais, ok, action minceur, ça un peu, c'est le truc que je m'en fous. Mais c'est un legging, donc à la base, qui est à 15,90€. Je l'ai eu à 5,49€. Il est taille haute, donc ça, c'est excellent pour moi. Et l'intérieur est juste génial. Là, c'est comme de la polaire, donc c'est ultra doux. La ceinture en elle-même, franchement, elle est confortable. Elle me plaît énormément. Et du coup, voilà, je me suis dit un legging. Donc, parce que là, il n'y a pas les pieds, hein, c'est pas un collant, c'est vraiment un legging. Mais qui fait un effet collant super chaud, quoi. Pour la saison actuelle, je vous avoue que, voilà, quand on a envie d'être toute jolie, de bien s'habiller, un legging confortable, je dis oui. Hop, donc par contre, il était taille unique, donc bon, j'espère que ça va m'aller. Hop. Ensuite, j'ai trouvé, donc on en trouve souvent des loisirs et compagnie à Noz. Donc ça, c'est le genre d'article qu'on trouve à la Foire Fouille, à Jiffy, enfin voilà. Généralement, ils ont cette marque-là, hein, la Foire Fouille, ça c'est sûr. Donc là, c'est des masques avec, en fait, pour faire des masques licorne. Donc on a tout le kit avec couronne, les petites fleurs, les fils pour tenir le masque. Donc les masques sont en mousse et on peut en faire jusqu'à 6. Donc à la base, ils étaient à 4 euros. Moins 60%, je les ai eus. Ah, si je ne me trompe pas, j'ai le ticket. Il est là. À 1,60 €, je les ai eus. Voilà, je suis nulle en calcul, hein. Ensuite, je me suis fait un gros kiff. Voilà, j'ai pris plein de rouleaux et encore, c'est que le début, ça. Donc, désolé pour le bruit. Hop. J'essaye de sortir tout ce qui est rouleau, comme ça, je les passe tous tout de suite. Donc, normalement, j'ai dû à peu près tout sortir. Donc, déjà, je vous passe, hop, ceux-là, ils sont de la même matière. C'est une matière intissée. Donc, c'est vraiment un effet tissu avec des fils. Je sais pas si vous verrez, des fils argentés. Donc, on a le violet et le bleu, c'est la même chose. Ils font 10 mètres sur la règle. 10 mètres sur 29 cm. Donc voilà, là il y aura de quoi faire pour des mini-albums. Enfin voilà, je pense que je vais avoir de quoi faire. J'aime bien prendre des chemins de table pour faire ça. Quand je veux les faire en version tissu, ça peut être vraiment sympa. Hop, donc là c'est sympa. Ça c'est les premiers. Lesquels se ressemblent?
Hop, là on en a trois. J'ai pris trois couleurs. Mais c'est exactement les mêmes motifs. Donc c'est un effet. Je sais pas comment dire. Je sais pas si vous verrez bien l'effet. Voilà. Et là il y a pareil, il y a le chocolat. Donc c'est de l'organza. Ça fait 5 mètres de long. Alors j'essaye de voir un petit peu plus. Non, j'ai pas plus. Donc ils sont tous à 99 centimes. Les gros, les grands rouleaux là, ils sont tous à 99 centimes. Et côté taille, c'est un peu plus petit. On est à 27,50. Mais voilà, 99 centimes. Là, c'est les trois qui se ressemblent, mais pas de la même couleur. Hop. Là. Donc là, celui-là, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, hop, c'est des cœurs en fait. C'est pareil, c'est de l'organza avec des cœurs. Et lui aussi, je crois qu'il fait. Non, lui, il fait 5 mètres. Donc les gros rouleaux, ils faisaient 10 mètres. Et les autres, ils font 5 mètres. Donc voilà, hein. 99 centimes, pareil, de l'organza version chocolat avec des cœurs. Je me suis dit que ça serait sympa. Ensuite, il y a celui-là qui me plaît beaucoup, un peu un style baroque. Donc alors, c'est de l'organza transparent, enfin blanc transparent, avec des arabesques. Et je me suis dit qu'avec un papier avec motif ou pas en dessous, on le verrait en transparence et ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, donc pareil, 5 mètres. 99 centimes. Je vous ai dit, je me suis fait plaisir côté rouleau. Hein. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Donc, j'aurais aimé le trouver aussi en grand. Là, il fait 10 cm sur 10 mètres. Il est à 79 centimes. Alors, je sais pas si vous verrez. Il a un effet coquille d'œuf, en fait. Donc, c'est du blanc intissé. Et ça donne un effet coquille d'œuf, coquille jurassique. Hein. Ça fait un peu le jurassique. Je trouvais ça sympa, même pour mettre le long d'un album, pour, voilà, pour entourer, pour faire une bordure ou autre. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, petite trouvaille. Donc il y en avait un autre, un peu effet Valentine. Hein, mais c'était un kit et les tampons ne me plaisaient pas. Enfin voilà, c'était des étiquettes pas très belles. Enfin bref. Pour moi, c'était pas beau. Donc là, j'ai craqué sur ceux-là, donc de la marque Dovecraft. Donc il y a le petit nounours avec son petit chapeau et le cadeau. Donc un tampon clear à 99 centimes. Et là, la fée, je la trouve juste trop mignonne. Je trouve que les détails sont vraiment bien. Parce que des fois, on trouve des tampons où les détails sont moches. Mais là, le visage, je trouve qu'il est bien fait. Reste plus qu'à coloriser et puis ça fera une superbe carte, je pense. Hop. Alors... qui n'est pas scrap, on arrive encore dessus. Hein. Il y a un arrivage, donc là vous allez voir des caleçons, des futurs caleçons de mon homme. Hein. Il y a un arrivage de Undies. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent la marque. Hein. Donc là il y a un gros arrivage à Nose de Undies. Donc profitez-en. C'est à moins 70%. Donc voilà, sur le prix fournisseur. Tous les articles sont à moins 70%. Donc bon, voilà. Je vous les montre vite fait parce que normalement, enfin voilà, c'est un peu du perso, quoi. Donc ça, tac, hop, ça, poubelle. Ensuite, alors j'en ai pris qu'un seul, mais j'aurais peut-être dû en prendre deux. À 50 centimes, j'ai trouvé des stickers effet métallique. C'est un peu comme sur de l'époxy, je dirais. Et je trouve que le thème est plutôt sympa. Les plumes, la trappe-rêve, enfin voilà. Doux et délicat, là, le sticker, il est plutôt sympa. Et ça se marie avec pas mal de choses. Donc, bon, pour de graines créatives, je le trouvais plutôt génial. Et je trouve qu'il peut se coller un peu partout, en fait. Donc, voilà. 50 centimes. C'est le seul que j'ai trouvé. Je crois que j'en avais vu un autre, mais il me plaisait pas du tout. Ça correspondait pas. Hop. Ensuite, donc ça. Tac. Hop. Donc c'est à 3,99€. J'ai eu
J'ai trouvé ça en fait. C'est des cartes, un jeu de cartes. Donc ça c'est du film 1 à 4. Et là on a la suite. Normalement on a la suite. Ouais, du film à 5 à 8. Voilà. Donc des jeux de cartes sur Harry Potter. Hein, on change pas. Ensuite. Petite trouvaille de dernière minute, et c'est le seul que j'ai trouvé, et je l'ai trouvé juste super marrant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez de la collection Néon Édition Collector. Et voilà, c'est un livre un peu humoristique, mais avec le thème Star Wars. Voilà, donc je l'ai eu à 1,99€ au lieu de 12,99€. Donc voilà. Un petit fou rire en magasin à regarder des trucs. Voilà. Je trouvais ça marrant. Le côté humoristique, mais en version Star Wars. Hop, je vous dirai pas pour qui c'est. Allez, on continue. Alors, ça, c'est une trouvaille. C'est un truc que j'ai. Enfin, voilà. Hein, vous voyez le paquet, il est complètement défoncé et tout. Mais c'est le seul que j'ai trouvé. Et je me suis dit que ça valait vachement le coup. C'est 5 feuilles pour des plastifieuses. Donc c'est des pochettes à plastifier. Il y en a 100 dedans. Donc là, c'est en version A4. Si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que en plus, ils disent pour quel type quel micron il y a dedans. Et franchement, ça c'est génial parce qu'on peut trouver des encore plus fortes. Donc là, pour 100 feuilles en A4, j'en ai eu pour 3,99€. Donc là, en fait, quand on voit ça, c'est par rapport à l'épaisseur. On peut mettre beaucoup d'épaisseur. Quand c'est en version 3, 75-80, c'est une épaisseur fine. 100 microns, on peut en mettre du standard. Et 125 microns, on peut aller encore plus fort. Donc, ça serait pas mal que j'arrive à trouver des très fortes. Parce que quand on veut plastifier des grosses paillettes ou des choses comme ça éviterait qu'il y ait des bulles, je pense. Donc, à tester. Donc, bon, 3,99€, sachant qu'à Action, quand elles sont en promotion, c'est 99 centimes les 20. Enfin voilà quoi. Là j'en ai 100. J'ai un petit stock. Et quand elles sont pas en promo, je crois qu'elles sont à 1,19€, si je me trompe pas, ou un peu plus. Hop, bon, je vais vider le sac. Je sais plus s'il reste encore beaucoup de choses. Hop. Donc, il y avait des formes voilà en bois. Donc elles étaient toutes à 80 centimes. Il y en avait une, c'était comme un chat debout, mais je trouvais que ça ressemblait beaucoup à un chien, donc j'ai pas pris. Donc là j'ai pris le chat assis à 80 centimes. Il y avait aussi dauphin, et il y en avait d'autres formes aussi, mais je ne sais plus laquelle c'est. Ah oui, il y avait une tête de cheval aussi. Mais voilà, c'était pas non plus. Je suis plus sur les chats, moi. Donc, et puis là, je me suis dit que j'allais faire un décor avec. J'ai une idée. J'ai une idée. J'aurais peut-être dû en prendre deux, mais bon. De toute façon, c'est toujours ce qu'on se dit. On aurait dû en prendre deux. Ensuite, j'ai trouvé une petite poche cadeau avec un éléphant. Donc ça, c'est pour une copine parce que j'ai un cadeau à lui faire. Et elle est fan des éléphants. Donc je l'ai eu à 59 centimes. Hop, je vais enlever tout de suite l'étiquette. Hop, voilà. Et ben, je trouvais voilà, le truc super mignon, c'est un éléphant qui se fait un selfie, si je me trompe pas, ou alors qui reçoit une photo de sa chérie, je sais pas. Non, il fait un selfie. Et je le trouvais trop mignon. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce carnet. Donc il y en avait trois sortes. Il y avait une sorte avec des oiseaux, une autre. Donc là, j'ai la version avec des fleurs. Et il y en avait une autre avec des animaux exotiques, si je me trompe pas. Il y en a une, c'était des perroquets, l'autre, je sais plus. Et moi, j'ai pris la version fleur où les bordures des pages sont orange. Et voilà. Donc là, on a un dessin à colorier et de quoi écrire.
colorier, de quoi écrire. Donc il n'y a jamais la même, voilà, le même nombre de lignes, parce que si on veut faire un petit dessin au milieu nous-mêmes. Hop, mais ça tourne à peu près comme ça. Donc là, c'est plutôt sympa. Voilà, plein de dessins pour colorier. Je trouvais ça plutôt sympa. Pour ceux qui aiment colorier et puis en même temps avoir des petites notes à écrire, enfin voilà. Donc pour 1,99€, j'ai un super carnet. Hop. J'ai hésité, hein. Hop. Ensuite, donc là, il y a eu un super arrivage là-dessus. Donc c'est de la marque. Alors, je ne saurais pas le dire exactement. C'est Rose Leur. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà. Donc, alors là, on a version marbrée. J'en ai pris deux ou trois, je ne sais plus. De toute façon, on le verra. Donc là, les feuilles, c'est en A4. Il y en a 10. Ah, alors attendez, j'ai mon chat qui gratte. Allez, rentre. Alors, je disais, là, il y en a 10. Elles font 100 grammes. Donc, c'est à peu près des feuilles d'imprimante. Donc, je me suis dit, pour imprimer des courriers, ou enfin voilà, ça pourrait être sympa. Suivant la personne à qui on l'adresse, ça peut être sympa. Donc, ça marche bien, hein, dans les copies. Hop, donc là, je l'ai eu à 79 centimes. Ensuite, là, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est des. Là, c'est un papier où, en fait, il a un effet nacré. Je sais pas, voilà, si vous le verrez. Et en dessous, ça fait un peu comme une assiette avec fourchette, couteau. Et je me suis dit que ça serait sympa pour le mariage. Bon, par contre, il n'y en a que 6 dedans. Voilà, il n'y en a que 6. Et j'en ai pas trouvé plus. Donc, si vous en trouvez plus, je suis preneuse. Là, c'est le seul que j'ai trouvé. Je pensais l'utiliser, le plier en deux et l'utiliser comme numéro de table ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra. Ou alors j'imprimerai le menu du mariage dedans et je le glisserai dans l'album. À voir. À voir, à voir. Ça peut être une idée plutôt sympa. Donc là, il n'y a pas marqué le grammage, je crois, sur celle-là. Non, il y en a 6, mais il n'y a pas marqué le grammage. Si? Alors, c'est qu'il. Ah ouais, non, mais c'est qu'il y a une cartonnette. Il doit y avoir une cartonnette parce que. Là, ils disent 100 grammes. Mais je le trouve plutôt dur. Donc, à mon avis, il y a une cartonnette au milieu. Hop, ensuite. Donc, là, on voit le vrai prix, hein. C'est 8,90, mais en francs. Donc, à mon avis, c'est des francs suisses. Donc, là, il y en a 10. Ouais. Là, il y en a 10 et je l'ai trouvé juste sublime. Donc pareil, 79 centimes avec une rose et puis le texte ancien et tout. Je le trouvais juste magnifique. Donc là aussi, le papier, il fait 100 grammes. Hop, là, on l'a en version forêt. Bah là, à mon avis aussi, il fait 100 grammes, sauf que c'est pas noté. Non, c'est pas noté là. Je te vois si c'est pas noté. Mais je le trouve juste magnifique. Et c'est un papier pré-imprimé qu'on peut imprimer un texte dessus. Hop, donc là, il n'y a que la copie nacrée. Donc pareil, 100 grammes. Hop, mais là, une version nacrée. Donc là, comme je vous ai dit, j'en avais pris d'autres en version marbrée. Et là, c'est la dernière que j'ai trouvée. Mais par contre, de la marque Dovecraft. C'est du blanc. Voilà, un papier blanc. Donc là, le grammage, il fait 240. Et il y en a 10 dedans. Et par contre, j'en ai trouvé qu'un seul. Donc voilà. Voilà pour le haul nose. C'est terminé. Comme je vous ai dit, je me suis quand même fait bien plaisir au niveau des rouleaux de tissu. Enfin, des chemins de table. Hop, mais voilà. Je suis plutôt contente, hein. J'ai vraiment trouvé des trucs plutôt sympas. Côté prix pour les caleçons, non, je vais pas vous les dire, c'est bon, hein. C'est moins 70%, c'est intéressant quand même, hein. Au lieu de payer 13 euros le caleçon, je l'ai payé 3 euros, quoi, donc bon.
Non, c'est intéressant. Franchement, là, il y avait des bons prix. Alors, ils font encore les surstocks de cadeaux de Noël. Ils les font encore à moins 50% sur les cadeaux où il y a le prix fournisseur uniquement. Pour les autres où il y a l'étiquette jaune, ben c'est au prix nose, quoi. Donc, bon, si vous arrivez à trouver votre bonheur, allez-y. Moi, pour moi, je pense que c'est fini, hein. Je vais peut-être juste y retourner histoire d'aller chercher la perforatrice que je pensais avoir déjà prise et que finalement, ben, je l'ai pas. Je pensais que je l'avais déjà prise. Donc, voilà. Sinon, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû recevoir ma commande Horizon Créatif, mais apparemment, elle est bloquée à un endroit, donc je l'aurai peut-être demain. On verra. Donc voilà, là aussi c'est une des dernières commandes que je fais. J'en ai une autre qui doit arriver. Je pense pas qu'elle arrivera demain, je pense qu'elle arrivera lundi ou mardi. Mais ça va être la dernière parce que là, celle que j'ai fait comme commande, j'en ai fait une autre à la fourmi créative. Et là, c'est des rangements parce que voilà, et je suis sur le mode rangement carton. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai ce que j'en fais et il faut que je fasse une vidéo comment je fais mes rangements. Voilà. Donc je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Et à très vite. Bye bye!